bittersweet heat is suffocating. Hello tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo un peu à l'arrache parce que mon fils déjà il dort, je vais parler tout bas, donc voilà. Donc on est en pleine crise de coronavirus, donc j'ai entendu pas mal de choses. Premièrement que ça pourrait provenir des animaux, jusqu'alors on n'a pas de preuves que ça vient des animaux, donc aucun problème. Les refuges commencent à être inondés d'animaux abandonnés parce que les Chinois auraient commencé à manger des chauves-souris. Or, le coronavirus existe depuis déjà quelques temps. Alors, deuxièmement, faites attention pour les insectes que vous allez acheter. Ne dévalisez pas tout comme les gens qui se battent pour du PQ. Franchement, ça vaut pas la peine. Prenez plutôt des grillons de tailles différentes parce que voilà. On ne sait pas si le réapprovisionnement des insectes fera correctement. Donc moi j'ai privilégié des verres de farine avec des tailles de ruche, alors des grillons de tailles différentes, 8, 6 et alors des plus petits. Comme ça le temps que les grands se fassent manger, ben, les petits pourront grandir pour leur donner. Alors si tu as des sites pour la France et pour la Belgique pour des livraisons d'insectes, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires et surtout partage en masse cette vidéo, c'est important. Donc veillez bien à bien toujours vous laver les mains après les manipulations des reptiles. Et moi j'ai quand même fait comme pas mal de choses au niveau des terrariums. Ma reptile room va changer, j'ai fait le terrarium de mon pogona. Et je vais essayer d'avoir un peu plus de temps pour vous faire des vidéos prochainement. Mais ceci dit, n'hésitez surtout pas à regarder toutes mes vidéos. Vous n'avez plus de raison. Voilà, on est en confinement. Donc n'hésitez pas à toutes les regarder, les partager, les liker. Et on se dit à bientôt et soignez-vous bien. Peace. Des sites pour la France et pour la Belgique pour des livraisons d'insectes, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires et surtout partage en masse cette vidéo, c'est important.